Cette semaine, on a un grand point virgule et c'est Arthur. Arthur qui nous file du bleu pour Arthur, s'il vous plaît. Bon, cette semaine, je suis désolé, on va parler de sujets qui foutent un peu le cafard. Le Covid, coupure électrique, Emmanuel Macron. Bien entendu, il y a quelques mois, il avait dit il n'y aura pas de coupure. Et donc, comme prévu, il y aura des coupures. Hein? Et ils sont en train de bien préparer la douille. Hein? C'est, attention, si tu coupes pas le wifi, on débranche mamie. C'est ta faute. Attention, attention. Allez, coupe, coupe. Oh. Sixième puissance mondiale, coupure d'électricité, la choum. Oh. Je cherche le pays des lumières, s'il vous plaît. Bah, c'est pas là, c'est pas là. Non, 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 ça c'est boulevard du tiers-monde, là. Ouais. Non, c'est un sens interdit, non. Non, des deux côtés, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est Hidalgo qui fait la circulation. Là. Oh, il y a des fans. Ce n'est pas un meeting. C'est le tiers-monde, quoi. C'est le tiers-monde. Remarque, c'est Zemmour qui va être content. Hein. Ben, les migrants, ils voudront plus venir. Hein. C'est ça, la France, putain, fait demi-tour. Il est fou, lui. Là, cette semaine, il y a un mec du gouvernement qui a sorti cette phrase. Cet hiver, on dépend du ciel. Tu dis, on dépend du ciel, comme les Incas, les Mayas, tout ça. Tu dis, ouais, conseil des ministres, on va faire des incantations. Elisabeth Borne, elle a déjà acheté un costume d'Indien à la foire fouille. Elle tourne autour de l'arbre qu'elle a planté à Matignon. Inch'Allah, fait pas froid. Inch'Allah, 49 froid. Bon, sinon, Covid, 9e vague. Venez, on arrête de compter en vagues. Ça m'énerve. Ça m'énerve comme les parents, tu sais, qui te donnent l'âge de leur gosse, mais en mois. Oh, il a quel âge? Il a 72 mois. Je t'ai demandé son âge, je t'ai demandé pas de me faire faire des maths, en fait. Et puis c'est ça qui angoisse, c'est d'énumérer, tu sais, 8e vague, 9e vague, attention à la 10e, la 11e est gratuite. Oh, voilà. C'est bon. C'est plus des vagues, je te jure, c'est un vieux marécage dégueulasse, quoi. T'as vu la vague? Oui, j'ai vu, ouais. Et en plus, on le sait maintenant, il n'y a plus de surprise. On le sait que les vagues, elles vont arriver. Puisqu'on l'a tous gardé, le tiroir du bas, avec les masques et le gel. On le jette, on sait jamais, on le garde. Comme quand t'es en couple depuis 8 ans et tu gardes ton petit tiroir avec les capotes. Et on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Elisabeth Borne, pour aider l'hôpital, son conseil, c'est les gestes barrières. Moi, mon conseil à Elisabeth Borne, pour aider l'hôpital... aider l'hôpital. Voilà. Si elle veut bien bosser, tata, ça me ferait plaisir. Il y a 10 000 médecins qui ont envoyé une lettre à Macron pour parler des conditions de travail. Macron, il a fait geste barrière, il n'a pas ouvert la lettre. Non, ça vient de l'hôpital. Hein. En ce moment, il sait pas, on ne sait jamais. C'est pas très carré. Ouais. Bon, là, vous l'avez vu, il était à Washington. Ouais, il est allé à Washington pour. Voilà. Hein. Il doit être stressé, hein, Mesquine, il doit être stressé. Il doit être... J'espère que la table, elle sera pas aussi longue que chez Poutine, hein, monsieur, là. Et il est allé voir Elon Musk en surprise. Il lui a dit, bon, il faut qu'on parle de Twitter parce que là, ça va pas. Elon Musk, il a dit, qui es-tu? Vous l'avez vu aussi, discours à Washington. Il parle du savoir-faire français. Et là, devant les industriels et les professionnels, les machins, il a sorti une baguette de pain. La France... Ah, t'es là, tu dis, wow, en tant que président, c'est une quiche, mais peut-être au Jamel Comedy Club, il y a un truc à faire. Et puis, truc en grande pompe, hein, ils se sont fait des cadeaux avec Joe Biden. Alors, Macron, il a offert une prothèse de hanche. Biden, il a offert une prothèse de couille. Enfin, toi, ils ont. Merci Arthur, merci le grand point virgule.